Et de là où tu es, bien-aimé, puisses-tu te disposer afin qu'ensemble nous puissions célébrer notre Dieu en cette journée. Dieu est élevé au-dessus de tout, Seigneur notre Dieu, au-dessus des circonstances de nos vies. Dieu est élevé, oh Dieu, Dieu est élevé au-dessus des obstacles, au-dessus des montagnes. Tu es élevé, Jésus, toi le Dieu très haut, et le lion est ton nom, Yahweh. Au-dessus de tout nom qui puisse se nommer dans le siècle présent et le siècle à venir. Tu es élevé au-dessus de toute vie. Tu es élevé au-dessus de tout, au-dessus de tous. Au-dessus
Jésus est élevé, élevé au-dessus de la mort, élevé au-dessus des pandémies, élevé au-dessus de la COVID, élevé au-dessus de la crise, qu'elle soit financière ou sociale, qu'elle soit familiale.
couronné. Oh, élève la voix, élevons la voix et couronnons-le par nos louanges, couronnons-le, roi et seigneur de nos vies. Alors qu'il y ait des saisons, il y a eu des saisons telles que la Bible nous décrit, où la voix de Dieu se faisait rare. Mais tu nous accordes la grâce et le privilège de recevoir encore le son de ta voix, de t'entendre nous donner des instructions jour après jour. Oui, ta voix ne se fait pas rare au milieu de notre génération, et nous t'en sommes reconnaissants. Voilà pourquoi nous t'acclamons ce jour, et pour te dire merci pour la parole que tu as envoyée dans nos vies, afin de briser les chaînes, afin de libérer les captifs, afin de libérer les destinées et de détruire les œuvres du diable dans nos vies. Reçois notre reconnaissance, reçois notre gratitude. Alléluia. Fidèle dans les
L'une des choses qui fait la différence entre différentes voitures, ce n'est pas forcément la carrosserie. Dis-moi amen si tu crois. Ce qui fait la différence d'une voiture, c'est sa puissance. Et la puissance d'une voiture réside en le moteur qu'il y a dans la voiture. Donc, en réalité, ce qui fait la puissance d'une voiture, c'est le moteur qu'il y a dans la voiture. Et la Bible nous enseigne que le moteur qui est en toi, celui qui t'inspire des choses, qui te rend capable de quoi que ce soit, c'est un moteur beaucoup plus puissant, beaucoup plus redoutable que le moteur de ceux qui sont dans le monde. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui vit en moi et en toi est plus grand, est plus fort, est plus redoutable, est plus coriace que celui qui vit dans le monde. Si tu le croyais, tu aurais poussé un cri de joie et me redonné un bon amen. Alléluia. C'est l'hymne des conquérants et des vainqueurs. Tu crois et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Dis avec moi, celui qui vit en moi, celui qui vit en moi est bien plus grand, est bien plus grand, bien plus puissant, bien plus puissant que celui dans celui dans le monde, celui qui vit en moi, est bien plus grand, bien plus puissant que celui dans le monde. Répète-le encore une fois, celui qui vit en moi. Il faut que ces paroles soient imprégnées dans ton âme. Il faut que ton être tout entier soit imprégné de ces paroles. C'est par les paroles que Dieu a proclamées que ta vie va prendre un essor différent, qu'elle va prendre une direction différente, qu'elle va prendre un envol. Et tiens des aigles, tu vas t'envoler au-dessus des circonstances et des tribulations. Celui qui vit en moi, c'est plus qu'un chant. Ce sont des paroles qui édifient et qui bâtissent ton nom intérieur. Alors que tu te répètes et que tu médites ces paroles nuit et jour, tu es en train de mettre les fondements, les véritables et les bonnes sur ta vie. Et celui dans le monde. Alors est-ce qu'on peut commencer par acclamer notre Dieu pour lui rendre grâce? Lui qui a fait habiter en nous l'Esprit qui a ressuscité Christ des morts. Et il dit, si l'Esprit qui a ressuscité Christ des morts habite en toi, il redonnera à ton corps mortel la vie qu'il a perdue, la vitalité, l'énergie, toutes les ressources dont tu as besoin. Voilà pourquoi nous allons alors encore déclarer une fois, celui qui vit en moi, celui qui vit en moi, est bien plus grand, est bien plus grand, plus puissant, bien plus puissant que celui dans que celui dans le monde. Encore une fois, celui qui vit en moi est bien plus grand, bien plus grand, bien plus puissant que celui dans le monde. Celui qui vit en moi est bien plus grand, bien plus puissant que celui dans le monde. Disons-le encore une fois. L'Esprit qui vit en moi est bien plus grand, bien plus puissant que l'Esprit dans le monde. L'Esprit qui vit en moi est bien plus grand, bien plus puissant que l'Esprit dans le monde. De celui qui vit en moi, je marche dans la vie, j'avance en toute confiance, j'avance en tout, je me tiens dans la victoire, je me tiens dans la victoire. De celui
Le pouvoir a changé de main. C'est moi qui cours après tout ce qui m'a pourchassé. Je marche dans la souffrance. J'avance en tout. Je me tiens dans la victoire. De celui qui vit en moi. Je marche, je marche, je marche. J'avance en toute confiance. Je me tiens dans la victoire. De celui qui vit en moi. De celui qui vit en moi. Alléluia. Vous savez, les gens qui sont forts et redoutables, ils savent quelle est leur valeur et quelle est leur force. Alors quand ils marchent dans l'assurance. Ils marchent calmement. Est-ce que nous pouvons effectuer le pas de danse des gens qui marchent calmement dans l'assurance? Tu te demandes c'est quoi le pas de danse de ceux qui marchent calmement et dans l'assurance? Tout ça, ils font ceci. Calmement, calmement, calmement. On y va. Calmement, calmement. Je veux voir le pas de danse calmement dans l'assurance. On y va. Alléluia. Ils te verront marcher. Il y aura des vents qui vont souffler. Mais toi, tu avances. Calmement, calmement. 1000 tomberont à ta gauche et 10 000 à ton côté. Mais toi, tu avances, calmement, calmement, calmement. Je marche, je marche dans l'assurance. J'avance, j'avance en toute confiance. Je me tiens dans la victoire. Je me tiens dans la victoire. Celui qui vit en moi. Celui qui vit en je moi. Marche, je marche, je marche. Marche dans j'avance en toute confiance. Je me tiens dans la victoire. Je me tiens dans la victoire. Celui qui vit en moi. Celui qui vit en moi. Hey, hey. Inébranlable. Il me rend. Lui le Dieu redoutable. Le Dieu tout puissant. L'Esprit de Dieu qui habite en moi. Me conduit dans la décennie. On avance encore, calmement, on y va, calmement, on y va, calmement, en toute assurance, parce que nous croyons que nous marchons sur la victoire et non pas pour la victoire. On y va, calmement, est-ce que de là où tu es en train de bouger, calmement, est-ce que tu es en train d'avancer, calmement, calmement, avec certitude, disant, il est bon. Celui qui vit en moi.
par la puissance de sa parole qui agit en nous. Et il est le Dieu qui est capable de faire infiniment, abondamment, bien au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer, par sa puissance qui agit en toi et en moi. Alléluia. Alléluia. Offrons-lui un sacrifice d'acclamation. J'ai dit offrons-lui un sacrifice d'acclamation. Gracias.
sais que tu es capable de tout faire dans ma vie. Car la Bible déclare qu'avec Dieu, tout est possible. Avec Jésus, tout est possible. Captivité, qu'ils entendent que tu as un nom, tu as une autorité, tu as un pouvoir. Ce nom est le nom de Jésus. Le sujet pour lequel je vis et tu es le sujet de mes louanges. Par ton nom Jésus, j'ai été affranchi. Par ton nom Jésus, mes ennemis ont été vaincus et tu as mis tous mes ennemis sous mes pieds. Et c'est toi qui as dit que tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et toute la puissance de l'ennemi, et que rien ne me nuira. Oh Dieu, toi notre Dieu, oh quel amour. Oh, quel amour tu nous as manifesté en te donnant un sacrifice à la croix. Tu as parfaitement payé la rançon pour nos vies. Et par ta résurrection, tu nous as donné la capacité de régner sur le péché, de régner sur toute la puissance du malin. Et rien ne pourra nous nuire. Voilà pourquoi nous voulons déclarer ce matin que tu es ma force, l'ancre de mon âme. Tu n'échoues jamais.
affligeante. La Bible dit, il y a abondance de liberté.
d'abondance de liberté. Dieu veut te délivrer ce matin. Il veut t'accorder la délivrance ce matin. Quels que soient tes combats, Dieu veut te donner la victoire ce matin. Alors quelle est ton attitude? Il veut et il cherche des hommes et des femmes remplis d'attitude, de gratitude envers lui, le Dieu haut, celui qui opère des signes, des miracles et des prodiges. Il est le Dieu très saint, il est magnifique en sainteté, très digne de louange, opérant des signes, des miracles et des prodiges. Crois-tu en sa gloire? Crois-tu en sa puissance? Alors élève la voix, rends-lui grâce ce matin. Élève la voix, chante-lui de tout ton cœur. De ton âme ce matin, parle à celui qui t'a réveillé ce matin. Ce n'est pas le réveil qui t'a sorti de ton lit ce matin, mais ce sont ses compassions qui se sont renouvelées. C'est sa grâce qui l'a renouvelé dans ta vie ce matin. Ce sont ses bontés qui ne sont jamais épuisées, qui ne se sont jamais épuisées. Rends-lui grâce ce matin. Ouvre ta bouche. Ne reste pas silencieux en de pareils moments. Ouvre ta bouche. Parle à ton amoureux, parle à ton sauveur, parle à celui qui te guérit, parle à celui qui te délivre. Il plante ses rapports, parle de vos sourires, des marées, des balades à la. La Bible déclare que lorsque Jésus a rendu l'esprit sur le mont du calvaire, la terre a tremblé, le soleil a perdu de son éclat, le voile du rideau du temple s'est déchiré. La terre s'est ouverte, des morts sont sortis du tombeau. Alors que Jésus était mort à la croix, le voile qui s'est déchiré, le rideau du temple qui s'est déchiré, c'était le symbole pour te dire à toi et à moi que l'accès est ouvert. Nous pouvons approcher le Père sans aucune condamnation. Et voilà pourquoi il dit, approchez-vous du trône de grâce avec assurance pour être secouru. Lorsque tu t'approches du trône de gloire, du trône de grâce, automatiquement tu es secouru. Quels que soient les combats dans lesquels tu étais, tu es secouru et Dieu te donne la victoire. Voilà pourquoi nous allons déclarer que la terre a tremblé. La terre a tremblé. La terre a tremblé. Le voile. Chante ta gloire, le cœur de ta gloire.
glorieux, il est glorieux, il est magnifique, il est excellent, ce nom est si merveilleux. Toi, sois le
acclame, acclame le Dieu. Il est digne d'être acclamé en ce lieu. Il est digne d'être célébré en ce lieu. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? La Bible nous enseigne à prendre autorité, quelles que soient les circonstances par lesquelles nous passons. Nous devons rejeter l'esprit de timidité. Nous devons rejeter l'esprit de peur. Nous devons rejeter, repousser l'esprit d'angoisse. Nous avons reçu l'autorité de parler aux circonstances et les circonstances nous obéiront. Alors le chant que nous allons, par lequel nous allons terminer cette première partie, c'est un chant qui nous exerce à parler à notre âme lorsque les choses vont mal. Vous savez, dans le monde, il y a ce qu'on appelle l'apitoiement. Et les gens trouvent ça normal. Oh, Yako, oh, ouais, vraiment, vraiment, Asia. C'est... La Bible nous ordonne à prendre autorité sur les situations. Le Seigneur Jésus, par sa vie, nous a montré tout ce qui est possible. Lorsqu'il était dans la barque avec ses disciples et que les vagues ont commencé à se soulever, il a dit, va, vent, tais-toi. Et le vent s'est calmé. Les vagues se sont apaisées. Et le chant par lequel nous allons terminer cette première partie dit simplement. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme. Vous savez, c'est plus qu'un chant. C'est une attitude de cœur. Quand tous les voyants sont rouges, tu dois retourner et tu parles à ton âme. Tu lui dis, tu ne dois pas considérer ce que je vois. Tu ne dois pas considérer ce qui se passe autour de nous. Mais tu dois bénir l'Éternel. Pourquoi est-ce qu'il faut bénir l'Éternel? Parce qu'il nous a déjà donné la victoire. Pourquoi est-ce qu'il faut bénir l'Éternel? Parce que cette situation a déjà été réglée. Alors que Jésus était sur la croix, il a dit, tout est... Tout est accompli. Alors mon âme, je t'ordonne, sors de la tristesse, sors de l'apitoiement et bénis l'Éternel. Je me mets en ta bienfaite. Alléluia. Et je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. Des paroles pour te louer. Moi je n'oublie aucun de tes bienfaits, malgré les assauts de l'ennemi. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli des paroles pour te louer. Des paroles pour te louer. Et quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'abats-tu? Même au milieu de la tempête, il est là. Moi je le louerai encore. Moi je le Bénis l'Éternel. Oh mon âme.
le Dieu de grâce, le Père d'amour, qui a toujours un regard bienveillant sur ses enfants, nous sommes le troupeau de son pâturage. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, Dieu a fait grâce? Je ne t'ai pas entendu. Dieu a fait grâce. Et tenez que grâce dans nos vies, nous bénissons notre Dieu, nous acclamons le nom de Jésus. Il est dit d'être notre. La grâce de Dieu a parlé dans nos vies. Par sa grâce qui nous rend inébranlable. Il a fait grâce. C'est sa grâce qui m'a sauvé. C'est sa grâce qui m'a sauvé. C'est sa grâce. C'est sa grâce qui m'a sauvé. Il n'y a rien d'autre que la grâce de Dieu. C'est sa grâce qui m'a sauvé. Elle m'a sauvé et relevé. Elle m'a sauvé et délivré. Elle m'a sauvé et affranchi. C'est sa grâce qui m'a sauvé. C'est sa grâce qui m'a sauvé. La grâce de Dieu nous précède en toutes choses. Elle ouvre les portes qui semblent être fermées à jamais. La grâce de Dieu nous préserve dans les combats. C'est sa grâce qui m'a sauvé. C'est sa grâce qui m'a relevé. C'est sa grâce qui m'a restauré. C'est par grâce. Je suis libre par la grâce de Dieu. Je suis vainqueur par la grâce de Dieu. Inébranlable par la grâce de Dieu. Je prie au milieu des ténèbres par sa grâce. Je suis lumière du monde par sa grâce. Sa lumière jaillira au milieu des ténèbres. C'est par la grâce de Dieu. Simplement, nous avons vaincu. Simplement, nous avons vaincu. Simplement, la grâce. Est-ce qu'on peut acclamer la grâce de Dieu dans nos vies? Nous acclamons la grâce de Dieu. Cette faveur imméritée, cette grâce qui nous propulse telle des flèches dans notre destinée. Hey! Il déplace tes montagnes. Est-ce que tu le crois aujourd'hui? Est-ce que tu le crois dans ta vie? Come on! Il déplace tes montagnes. Élève la voix et déclare avec nous. Il déplace les montagnes. Come on! Il déplace les montagnes. Quelles que soient les montagnes qui s'érigent devant de toi, crois simplement que ton Dieu. Il déplace les montagnes. Quels que soient les géants qui sont plantés sur ton chemin, crois simplement que ton Dieu. Il déplace les montagnes. Elle se déplace les montagnes. Les montagnes. Elle se déplace. Se déplace. Les montagnes. Les montagnes. Elle se déplace. Se déplace. Et les géants. Les géants. Ils sont vaincus. Ils sont terrassés. Les géants. Les géants. Ils sont vaincus. Hey, quand le monde dit non, que dit ton Dieu? Impossible. Mon Dieu dit c'est possible. Hey, quand le monde dit impossible. Mon Dieu dit c'est possible. Et quand le monde dit c'est fini, il dit pas encore. Mon Dieu dit pas encore. Hey, quand le monde dit c'est fini. Mon Dieu dit pas encore. Hey, quand le monde dit humiliation. Quand le monde dit humiliation, hey! Quand le monde dit limitation, et quand le monde dit limitation, hey! Hey! Quand le monde dit pauvreté, come on! Quand le monde dit pauvreté. Et quand le monde dit tu mourras, mon Dieu dit tu vivras. Hey, quand le monde dit tu mourras, mon Dieu dit tu vivras. Hey, quand le monde dit c'est fini, mon
l'abandonne. Simplement, nous avons vaincu. Simplement, nous avons vaincu. Nous avons vaincu. Simplement par la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le peuple que tu t'es formé veut publier tes louanges ce matin. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Alléluia. Saint-Esprit, nous venons à toi tel que nous sommes. Et nous croyons que toi seul es capable de nous qualifier pour offrir au Père ce que son cœur désire. Alléluia. Esprit du Dieu souverain, manifeste ta présence, révèle la gloire du Dieu vivant. Disons Esprit du Dieu souverain. Esprit du Dieu souverain, manifeste ta présence, révèle la gloire du Dieu vivant. C'est le cri de nos cœurs, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu souverain, que l'éclat de ta gloire, que l'éclat de ta gloire nous environne, que des rivières d'eau vive court, que la vérité du royaume reste, que l'éclat de ta gloire, que l'éclat de ta gloire nous environne, que des rivières d'eau vive court, qu'elle coule de nos seins, qu'elle jaillisse. Sur nous, l'éclat de ta gloire, que ta gloire sur nous apparaisse. Nous ne recherchons pas ta main, nous ne cherchons pas ta main. Nous recherchons ta face, nous recherchons ta face. Nous te désirons, nous te désirons. Nous voulons voir ta gloire, ta gloire révélée dans nos vies, dans nos vies. Nous faisons monter ces soupirs vers toi, Esprit de Dieu. Que l'éclat de ta gloire nous environne. Que des rivières d'eau vive coulent. Que la vérité du royaume qu'elle règne sur nous. Oh, oh. Que l'éclat que l'éclat de ta gloire
Que l'éclat de ta gloire, que l'éclat de ta gloire sur nous apparaisse. Que l'éclat de ta gloire. Esprit de Dieu, glorifie Jésus au travers de ce moment. Puisse ces chants monter tel un parfum d'une odeur agréable. Nous venons tel un sacrifice vivant, qu'il soit saint et qu'il soit agréable. Nous voici, nous sommes le sacrifice. Embrase-nous par ton feu. J'entre dans le saint des saints. Je rentre par le sang de l'agneau. Je rentre pour t'adorer, toi seul. Je rentre pour t'honorer, Jésus. J'entre dans le saint des saints. J'entre dans le saint. Je rentre par le sang de l'agneau. Je rentre pour ton honneur et toi seul. Je rentre pour ta gloire. J'entre dans le saint des saints. J'entre dans le saint des saints. Je rentre par le sang de l'agneau. Par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer. Toi le seul vrai. J'entre pour t'adorer, Jésus. Une fois j'entre dans le saint des saints, le saint des saints, le lièvre saint. Je rentre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer. J'entre pour t'honorer, Jésus. Je t'adore. Oui, je t'adore. Toi, mon Dieu, je viens t'adorer. Offrir mon sacrifice. Offrir mon cœur en sacrifice. Seigneur,
reconnaissons que ton nom est saint. Encore une fois, j'entre dans le Saint des Saints. Encore une fois. J'entre dans le Saint des Saints. Nous entrons dans le lieu ultime de sacrifice. Un endroit où nous ne pouvons ni paraître, ni être ce que nous ne sommes pas. Parce que celui devant qui nous nous présentons est le Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Alors nous venons de nos œuvres. Seigneur, j'entre dans le Saint des Saints. J'entre dans le Saint des Saints. Je rentre par le sang de l'agneau, précieux sang de l'agneau, le sang de Jésus. J'entre pour t'adorer, t'honorer, t'exalter. J'entre pour t'honorer, Jésus, Seigneur. Seigneur, je t'adore, Jésus, je t'offre ma vie en sacrifice. Oh ma vie, Seigneur, oh ma vie, Jésus, tu as donné ta vie pour moi, et tu entends tout, que je t'offre ma vie. Au seul Dieu digne, au seul Dieu véritable, qui règne d'âge en âge, qui règne d'éternité en éternité. À lui soit la gloire, à lui soit l'honneur, à lui soit l'exaltation, à lui soit notre reconnaissance. Oh Dieu, notre Dieu, tu es le seul et véritable Dieu, tu règnes sur l'univers. Les cieux des cieux proclament ta grandeur. Qui est semblable à toi? Il n'y a personne qui soit semblable à toi. Tu es le soleil de justice. Tu es l'étoile brillante du matin. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Ton nom est Jésus et tu es digne de gloire. À toi seul.
seul. Sois l'honneur, la puissance et la gloire. Notre Dieu, à toi seul, sois la puissance, la puissance et la gloire, la gloire, à toi seul, notre Dieu, à toi seul, notre roi, à toi, notre bien-aimé, à toi, notre souverain. Propriétaire de toute vie, c'est toi. Fais descendre sur nous le feu de ta sainteté. Nous sommes le sacrifice. Allume ton feu. Déclare dans le livre de Chroniques, au premier livre de Chroniques, au chapitre 16. Louez l'Éternel, invoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son nom, en son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Est-ce que tu veux le faire ce matin? Est-ce que tu veux proclamer les hauts faits de notre Dieu ce matin? Est-ce que tu veux chanter, chanter en son honneur ce matin? Oh, si c'est le cas pour toi, est-ce que nous pouvons exploser en louange et en gratitude ce matin? Seigneur, nous voulons te témoigner toute notre gratitude et te dire combien nous t'apprécions ce matin. Acclamons, acclamons notre Dieu, acclamons-le. Il est digne de notre louange. Il a fait de grandes choses dans nos vies. Que quelqu'un dise avec moi, reçois ma louange. Avec plus de ferveur, reçois ma louange. Alléluia, acclamons, acclamons notre Dieu. Reçois, reçois ma louange, Seigneur. En ce lieu. Et en ces jours, nous venons t'honorer, Seigneur. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Reçois ma louange. Est-ce que le peuple de Dieu veut nous accompagner à déclarer simplement reçois ma louange? Reçois. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Connais mon cœur, le Dieu de l'impossible.
Reconnaissant ce lieu, l'enfer s'est élevé contre toi, les sorciers s'étaient ligués contre toi afin de bloquer ta destinée. Mais Dieu, dans son amour infini et dans ses compassions qui se renouvellent chaque matin, il a décidé que ce serait la fin de la captivité. Or, si tu le crois, est-ce que tu peux exploser en louange et en action de grâce ce matin? Un peuple rempli de reconnaissance qui veut célébrer son Dieu. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie, reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Fais toutes choses à merveille. Encore une fois. Toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Oh, toi qui connais mon cœur.
je ne t'entends pas louer ton Dieu ce matin. Reçois. Sacrifice pour nous délivrer, nous l'élevons en ce lieu, nous l'acclamons en ce lieu. Alléluia. Comment? Acclame-le, 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 et pousse des cris de joie. Alléluia. J'ai dit pour son des cris de joie. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es élevé. Oh Jéhovah, tu es élevé. Oh Jéhovah, tu es élevé.
les acclamations d'un cœur rempli de gratitude et de reconnaissance. Tu es acclamé. Et nous voulons dire comme le psalmiste disait, il dit, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux et tu verras. En l'adorant combien le nombre à l'écran, on le chante, on dit, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est. C'est un chant, je pense, que la nouvelle génération ne connaît pas. Mais est-ce qu'il y a des personnes ferventes et qui ont à cœur d'élever un palais de louanges en l'honneur de Sa Majesté le Roi de gloire? Nous allons proclamer encore ce cantique et dire, compte les bienfaits de Dieu. Peuple de Dieu, on y va. Compte. Encore une fois, compte les bienfaits.
retenir sa louange. Faisons, faisons monter vers notre Dieu. Des cris de joie, oh, des cantiques d'adoration. Oh, oui, pour le célébrer, pour le magnifier. Lui le seul est digne d'être élevé, être magnifié. Oh oui, nous t'exaltons ce matin. Oh, tu es acclamé. Oh oui, nous disons à nos âmes. Aucun de tes bienfaits, tu es digne d'être acclamé. Toi qui t'es donné, toi qui t'es offert. Pour nous, tu nous as racheté à grand prix. Alors conscient de ce grand prix, nous t'acclamons. Conscient de ce que tu as payé, nous te disons merci au travers de nos acclamations. Oh, au travers de nos cris de joie, de notre réjouissance. Reçois notre gratitude, nous te témoignons notre gratitude. Nous a réveillés, c'est ta grâce infinie envers nous, oh, qui nous a attirés dans ce lieu. Alors maintenant, nous voulons tout simplement te dire, oh, toi le seul est digne, toi le seul est digne, oh, tu es adoré dans ce lieu aujourd'hui. Nous proclamons que dans ce lieu tu es puissant. Saint-Esprit, tu te mouves au milieu de nous et tu fais des merveilles. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la majesté. En ce lieu, un peuple dans la joie t'acclame, te célèbre, t'honore. Oh Saint-Esprit, tu es le bienvenu au milieu de nous. Et de là où tu es, bien-aimé, puisses-tu te disposer afin qu'ensemble nous puissions célébrer notre Dieu en cette journée. Dieu est élevé au-dessus de tout, Seigneur notre Dieu, au-dessus des circonstances de nos vies. Dieu est élevé, oh Dieu, Dieu est élevé au-dessus des obstacles, au-dessus des montagnes. Tu es élevé, Jésus. Toi le Dieu très haut, El Elyon est ton nom, Yahweh. Au-dessus de tout nom qui puisse s'élever, dans les siècles présents et les siècles à venir, tu es élevé, au-dessus de toute vie, tu es élevé, au-dessus de tout, au-dessus de tous.
couronné roi et Seigneur de nos vies. Jésus, sois couronné. Oh, élève la voix, élevons la voix et couronnons-le par nos louanges. Couronnons-le, roi et Seigneur de nos vies. Connaissance. Alors qu'il y ait des saisons, il y a eu des saisons telles que la Bible nous décrit, où la voix de Dieu se faisait rare. Mais tu nous accordes la grâce et le privilège de recevoir encore le son de ta voix, de t'entendre nous donner des instructions jour après jour. Oui, ta voix ne se fait pas rare au milieu de notre génération, et nous t'en sommes reconnaissants. Voilà pourquoi nous t'acclamons ce jour, et pour te dire merci pour la parole que tu as envoyée dans nos vies, afin de briser les chaînes, afin de libérer les captifs, afin de libérer les destinées et de détruire les œuvres du diable dans nos vies. Reçois notre reconnaissance, reçois notre gratitude. Alléluia. Chemin dans le désert, tu crées des situations favorables.